vivants ou morts, hommes ou femmes, valets ou vénus, ils n'ont qu'à bien se tenir, car c'est l'heure du Blood Bowl. Et donc, creux le monde, on se trouve pour la deuxième mi-temps où il y a du carnage, où il se retrouve à deux joueurs de moins, c'est pas mal, et je vais attaquer. Je vais attaquer, ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Et du coup, je l'ai pas vu tout à l'heure, mais le pro que j'ai mis à mon coureur, le pro là, le chef, pardon, me rajoute bien une relance, pas mi-temps. C'est génial, j'adore ça. C'est cool, oh yeah. Bon. Donc je suis un peu meilleur de ce que je pensais, donc j'arrive quand même à tenir ces trucs là. Là les pornographes là, les porno girls. Bon par contre du coup il se trouve à 9 contre 11. Je suis en supériorité numérique. Ouh yeah. Je suppose que son 4 de force est derrière, je suppose. C'est ça. J'imagine bien qu'il n'y avait pas la mettre devant. J'imagine bien que je vais la buter, hein. Et on lâche tous les joueurs de l'équipe. Le premier à trouver la chopine est premier coureur. Allez. De toute façon, je vais en mettre 5 sur la ligne. Oui. Alors. Ça fait bizarre de voir le comme ça. Bon, je vais pas changer grand chose en fait. Je ne vais pas changer grand chose. Non. On va juste mettre ça tout le monde sur la ligne de départ et puis voilà quoi. Hein? Oui, tout à fait. Et puis chef, machin, passer qui m'attend, machin truc, voilà, et puis voilà. C'est bon. Bon, j'aimerais que ce soit lui qui marque tout devant. Défense parfaite. Ouais, mais non, après, non, je sais pas. En gros, il peut réorganiser sa défense comme il veut. Ah, du coup, ça me fait chier. Voilà, c'est tout. Ouh, intelligence. Ah bon, je vais piner la gueule quand même, hein. D'accord. Ouais, il organise sa défense à droite. Ouais. C'est dégueulasse comme bruit, c'est pas grave. Ah, l'histoire du Blood Bowl est jonchée d'équipes qui, par manque d'argent, ont disparu corps et âme. Ah, c'est normal, c'est un sport très coûteux. C'est quand même bizarre qu'il organise tout à gauche alors que je peux bien aller. Enfin, à droite et que je peux bien aller à gauche, du coup. C'est quand même bizarre. Après, c'est vrai qu'elle peut couvrir tout le terrain après. Bon, après. De ce point de vue-là, voilà quoi. La balle qui vient là. Ok. Si je vais là, ok. Ok, bon déjà on va commencer par buter tout ce qui est tout le monde qui est là, hein. Voilà, tu dégages. Rien à dire. Fait. Viril, mais correct. Toi tu dégages aussi. Oui, c'est bon ça. Des petits blessés, ça me dirait bien aussi après. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et il est tout cassé maintenant. Mais qu'est-ce qu'il veut? Dégage. Voilà. Ça, il fait. Toi, si tu vas là... D'accord, ok. Bon, déjà, toi, tu vas prendre la balle. Merci. J'ai cru que non, quand même, au bout d'un moment, mais ça va. Ça va, c'est bon, c'est cool. Maintenant, on va essayer de faire une petite défense de 1D. Dommage qu'elle ait disparu lors d'un match. Pas être facile, mais on va essayer. Essayons de mettre la fessée à un troll. Eh oui, paix à son âme. Le truc à 4 de force, il l'a. Ok. On va essayer de protéger un tout petit peu, hein, un minimum. Minimum sneakal. Puis bon ben après je préfère un blitz comme ça c'est sûr mais bon
Genre un petit bus comme ça, genre le petit bus gratuit, tu vois. Bon, ça sert à rien. Voilà, on va pas faire grand chose de plus. Peut-être pas s'enfoncer plus, hein. Ça, c'est... Non, peut-être pas, non. Peut-être pas, non. Bon. Ça, c'est fait. Ouais. Bah, c'est pas pour autant que ça me gêne non plus, là. Hein. Landa. Pour le coup. Je m'en fous, je vais aller à gauche. Je m'en fous de vous, hein. Ah, il a compris. Je m'en fous, je vais aller à droite. Oh, comment il me le dit. Oh, m'en fous, je vais au milieu. Hein, tu fais quoi. Hein, tu sais pas, hein. Hein, tu sais pas, hein. Oh, je te bluffe. Oh, oui, il m'écoute pas, mais je bluffe quand même. Cherchez pas. Cherchez pas, moi je bluffe si je peux. Et si je veux. Et là, je veux. Zut. Voilà. Mais arrêtez, hein, bande de méchants. Bande de méchants. Ah, t'as 2D, hésite pas. Ah, non, d'accord. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas. Bah non, vous pouvez pas. Maquenon. Maquenon. Du coup, un plus en force, il est là. Celui plus en force, est là. J'aimerais bien lui buter sa race, en fait. T'as blocage, blocage. Non, je suis pas, d'accord. Non, non, je suis pas d'accord. Toi, tu crois que tu mets là. C'est fait. Personne n'avait gagné la coupe avant, Bob. Bah non, Jim. C'était la première fois qu'une équipe non-lézard avait participé à la coupe de Lustrie. Et les Amazones ont connu un succès foudroyant et ont pris le trophée à Sotex World. Je vais mettre toi là. On va essayer de faire quelque chose, hein. Là, on est là pour un peu... Un petit peu faire du mal à tout le monde, là. Voilà. Maintenant toi. Putain. Voilà. Faut que tu pousses. Repousse. Ce j'ai à foutre. Hein. Tu pousses, hein. Lol. Ça fait que toi, tu peux aller là. Toi, tu peux aller là au milieu et c'est magique. Et toi, tu peux buter sa race. Tout à fait, Thierry. Et oui, voilà. C'est un peu la cage, un truc que je déteste, mais je dois avouer que là, c'est pas mal. J'ai fait la cage un peu involontairement, plutôt. J'avoue que oui, on va dire ça comme ça. Disons, il s'est retrouvé que là, il y avait un mec là, il y avait un mec là. Bon, autant le faire au maximum, hein. Qui peut oublier le célèbre accident de Poitiers en 2472? Vous savez, quand la masse de sort avait carrément englouti sous terre le stade des Bright Crusaders. Pas de mal, ça. Putain, mais arrête de faire ça, ça m'énerve. C'est de chier, de dash. Voilà ce qui arrive quand un pro croise un amateur. Ouais, splotch. Ah bah oui, du coup, ça me mixé, du coup. Et ouais. Tant pis. J'aurais essayé. C'est pas pour autant que t'as la balle non plus, hein. Ça va. Où ça? Voilà. Du coup, ça va refaire un 2D là-dessus. Voilà. Oh non! Oh non, pas toi, non! Non! Blocage, blocage! Ça, c'est intéressant, ça, comme truc. Ok, oui. Blocage, blocage.
La haul. Alors du coup toi t'as un dé, je suppose. Toi t'as un dé, toi t'as deux dés. C'est intéressant. Ouais, tu dégages. Oui. La. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est bon. Tu écoutes tout seul, toi? Oui. Ici, pourquoi pas. Ça fait un dé. Ça fait un dé tout petit. Un tout petit dé. Alors si ça fait un dé, du coup. Pas zombie. Ouais, mais... Ah, j'ai un coureur, là. Ah, ouais. C'est pas un truc. Non. Non, non, non. Du coup là, t'as 2 dés là-dessus, tu vas le faire. Makio, oui. Voilà, dans ton cul. Charogne. Celui-là en plus de force, il est où? Ah, il a terre. Cool, c'est lui, je sais pas. Cool. Bon, tu prends la balle, s'il te plaît, hein, tu fais pas chier. Merci. Tu m'es sympathique, ou presque. Ouais, j'ai fait mon fifou. Fifou lol. Autant abandonner. Et j'ai bien fait. Non, tu ne suis pas. Voilà. Toi, j'ai un dé. Ça, c'est. Ça, ça va être le running gag. Ça, c'est. Et non, tu ne suis pas. Parce que sinon, tu seras un peu mal. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Non, plus qu'à tout piner leur gueule. Mais ça, après, c'est pas. C'est pas fixe, en ça. Gnac! On va y arriver sur ce coup-là. Et je m'en fous cette fois, j'attends. J'attends jusqu'au dernier moment avant de marquer. Enfin, je dis ça et après, à chaque fois, je peux pas marquer. Donc, bon, je le taire. Donc, je retire la phrase que j'ai dite avant. Voilà. J'y retire! Oh, regardez ça, de petites elfettes proposent des sandwichs. Alors, je sais pas si c'est moi. Mais là, on dirait que c'est. L'ombre là. Non, mais dégage avec ça, dégage. L'ombre, on dirait la. Alors, ne me faire chier. Ça va, oui. Voilà, je dirai après ce que j'ai envie, voilà. Alors, regardez l'ombre qui est là. La l'ombre qui est là, qui fait sale. Voilà. Je dirai après ce que je pensais. Que j'ai pensé ça. Parce que je me fais chier là, à jouer là. Le mec qui rabouche en fait. Lol. Ah, je suis sûr qu'il a buté mon truc. Mon tueur de troll. Sauf que ça fail. C'est con, hein. Ah, mec, et oui, que c'est con. Mac, et oui. Mais non. Si tu suis, je t'embrasse. Ah, t'allais pas suivre. C'est con, moi, j'aurais bien voulu, moi. C'est dommage. C'est très dommage, moi, je dis. Bon, bref. Ouh, ça vient pas derrière, ou c'est pas très très joli, ça. Ouh, non. Et ça fait. Leur sort tranquillement derrière la ligne de touche. Ah, d'accord. Voilà, dégage. C'est bien, t'es bien au sol. Oui, t'es bien. Oui, t'es bien. Du coup. Je me souviens des supporters qui venaient voir comment ces sorciers résistaient face à ma charge féroce. Le bruit de la boule de feu qui grésillait dans l'air.
suivi du son très caractéristique de la nuit prise d'un sorcier. Blocage des deux, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Non, du coup, je vais faire quelque chose. Ça. Oh non. Non, je veux pas que ça fasse ça, moi, non, tu pues. T'as eu PU, tu pues, quoi, ONG, non. Pourquoi j'ai gardé du coup, moi, là? Oui, je comprends maintenant. Un jour, faudrait que j'apprenne les autres attaques, un jour. Un jour, peut-être. Toi, tu pues. Voilà. Oui, tu suis. Je suis un tank, oui, je te fais suivre, oui. On est d'accord, c'est un coureur, c'est un bloqueur, pardon. On est d'accord. Voilà. Tu dégages. Nous, tu suis. Effectivement, tu peux dire. C'est un plus. C'est assez violent comme sport, finalement. Toi, tu te mets là. Si les insultes avaient un quelconque effet sur les trajectoires du ballon, je vous certifie que les nains seraient champions du monde. Toi. Non, c'est pas bien de chanter. C'est pas bien de chanter de la merde. Eh oh. En effet, je vais arrêter de chanter de la merde. Sinon, je me fais punir là, eh oh. Non, ça va pas. Oh, mais. Du coup, moi, je fais quoi? Déjà ça. Déjà pas mal. Après, est-ce que je tente ça? Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Et toi, du coup, tu vas... Tu peux les faire chier par là. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Un jour, peut-être. C'est pas sûr non plus, hein, je dois avouer que non. Mais bon. Non, c'est bien bloqueur là. Non, c'est primant. Ah oui, ils sont plus en force. C'est cool. C'est très cool. Non. Ah mais toi non plus du coup t'as pas blocage. Pardon. C'est pas très marrant. Non. Bah si, un peu quand même. Plus qu'un marrant en fait. Saviez-vous que les coureurs nains étaient entraînés un peu comme des chiens sauvetages? Ah bon? Oui. On plante un boc de bière dans un entrepôt et on lâche tous les joueurs de l'équipe. Le premier à trouver la chopine est premier coureur. Vous savez ça? Ah là? Oui, forcément. Non, pas du tout. Non. Tu tiens 2 kilomètres en pleine figure. Là. Je pourrais vite me barrer après là-bas, mais ça va être chaud encore. Ça va être chaud marron quand même. Hey, c'est moche comme compris. Pas moche. Mais lol! Putain, le bol, quoi, sérieux. Lol x 2. Lol x 2 x 1000 x merde. Voilà. Faut que je trouve un autre. Faut trouver un autre coureur. Là-bas, ok. Bon, bah, faut être pigné à gaz, c'est tout. Ça change pas trop mes plans, en fin de compte. Oui, non, mais je peux toujours venir, en fait. Je peux toujours venir, mon gars. Hein. Oh là, mais non, là, quoi. Tous les temps est probablement Pendy, pas de bol pirassier. Vous vous souvenez de lui, Bob? Ah oui. À chaque fois qu'il se faisait bousculer, sa vieille maman débarquait sur le terrain pour aller corriger le petit chenapan responsable. Elle a quand même infligé près de 120 KO tout au long de la carrière de Pendy. Dommage qu'elle ait disparu lors d'un match contre les Lowdown Rats en essayant de mettre la fessée à un troll. Eh oui, paix à son âme. Mais arrête, c'est chiant là. Mais le chiant là.
Ça change pas trop mes plans. Bah, un petit peu si, mais bon. Ah, tu dégages. Ah, toi, tu vas là. Il y a toujours des coureurs qui vont vite, hein, donc ça va. Ça va peut-être pas non plus. Hein. Bon, toi. Ouais, non, pas ça, pas ça, par contre. Pas ça qui m'attarde. Bon, allez, tu lui butes sa gueule. Je m'en fous, tu lui butes. Tu lui butes sa gueule, j'ai dit. Voilà, on est d'accord. Pour de la cul. Sinon, il l'aurait pris en plein visage. C'est vrai que les jeunes mâles forment la plus grosse partie des supporters des équipes Amazon. Oh là là, sur le cible ou quoi? Pas du tout, Jim. J'ai entendu dire qu'un grand pourcentage était composé de femmes au foyer et de nombreuses ex-serveuses de Bloodweiser. Non, tu dégages pas. Ok, je vais faire foutre. Ok. Pas trop faire ça en fait. Pas trop faire ça, du coup je vais me faire foutre. Pas le choix. Pas trop le choix, du coup là. Parce que là-bas ils sont un peu morts, les gars, à droite là-bas. Je pars de là-bas là. Ils sont 2 contre 4. Bah, c'est pas lol. Ah non, mais lol quoi. M'énerve. M'énerve. Là, je vois le match, c'est comme plus comme c'était un, comme ça va être un, soit un 1-0 pour lui, soit un 0-0. Là, c'est plus parti pour un 1-0 pour lui. Personnellement, je pense plutôt comme ça, moi. Et non, bute-le là-bas, j'en ai la faute. Vas-y, tu peux y aller. Je te le laisse. Ah ah. Mais lol. Mais lol. Ouais mais non, ça change pas, faut je ferai la même chose. Les nains ont une excellente approche du jeu. Comme ils disent toujours, va chercher la peur pour la dominer. On a foutre, j'ai un dé là. Ouais. Et la balle, si t'as pas mieux à faire. On n'est pas rendu de nos jours, hein. Putain de nain. Bon, voilà. Oui, ça, ça c'est jamais arrivé dans le match. Il n'y a que lui qui peut le faire, hein. Évidemment, hein. Tricheur de merde. Oui, c'est un tricheur, oui. Je déconne, hein. Je lol. Je lol. Ok. LOL. Mais gros lol de sa race. Magnifique coup de pied rotatif en pleine tronche. On en fout, j'ai tenu l'esquive après. On a foutre. Et on a foutre. Rien à foutre. Yeah. Yeah. Ça prend notre du gars. Hein. Oh. C'est pas bien beau à voir. Non mais l'autre il croit se sentir comme ça, tu sais. LOL. Allez. Une récente étude médicale a démontré que les oui, fréquentes... Voilà, bien fait. Morte. T'apprendras. Connasse. Toi c'est pareil, tu as dégagé. Tu as dégagé la fois. Oui. Voilà, c'est tout, merci. Alors. C'est bien fait. Si vous le dites, en tout cas, ça doit faire mal. Là, tu vas venir là, toi. Toi. Ah, j'ai pas de bite. Ouais, c'est vrai, j'ai pas de bite. C'est con. Dommage, voilà. Ça, c'est fait. Vous êtes tous vous levés, hein. Ça fera des 1D après, rien à foutre. Voilà, voilà. Voilà. Alors ça fait un mort pour lui, je suis content, alors là,
En plus, c'est quoi, c'est qui? Bon, c'est un truc, un EXP. Un lanceur? Un blitzer? Non, c'est quoi? Attends, j'ai même pas vu, j'ai même pas le temps de voir. Un blitzer, c'est ça. Non, elle est morte. Oh, comme c'est dommage. Bien fait, salope. Il doit rager dans son écran, là. Je suis content. Et donc, oui, je pensais, là... Mais on dirait un peu la Statue de la Liberté. Enfin, la tête, quoi. Après, il faut être imaginatif, hein. Oh, mais c'est que c'est... C'est que ça se tue, dis donc. C'est pas avec tout ton tâche d'un, non. Il manque de le lire. J'ai toujours essayé de faire ça, hein. Toujours dans mon truc sans mettre le paquet. Faut que je retente mon 1D, quoi. Ça va être chaud, j'ai encore une relance, au cas où. C'est pas pépère, hein, dans le dame. C'est un peu tout ce que j'ai. Et niveau, est-ce qu'il y a des blessures graves aussi? Promotion et promotion. Je suis déçu. Non, là, je suis déçu. Ah, voilà. Ce que j'allais faire après ça. Ah, ouais, ça, c'était pas trop drôle. Du coup, il y a deux dés aussi ici. Ah non, il n'y a pas le dé. Non, je suis con. Il y a celui-là. Ouais, tu te relèves. Tu te relèves, faut absolument que j'arrive à les contrer ces envies de trucs, quoi. Ces envies de meurtre, là. NG. Voilà, ici, tout ça, machin. Maintenant, voilà. Moment de vérité, chance ou pas? Chance! Yeah! Deux tours. C'est cool ça. J'ai un coureur où moi? Ah oui, j'ai un coureur blessé moi du coup, non ça? Ou au moins. Ouais, c'est ça, blessé. Fais chier. Fais chier, fais chier. Voilà, au moins t'as la balle, au moins voilà. Au moins t'as la balle, c'est pas mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, ah, j'ai des dés ici, hein. C'est intéressant ça. Très intéressant. Oh la vache, ça c'est fait. Notre ami doit avoir du centrol. C'est toi. Son adversaire n'aurait pas dû parler de sa mère. Oui, tu suis. Ok, oui, tu suis. Et voilà, bordel. Là, ça sent plus le 0-0 du coup. Là, j'ai. Un petit peu plus. Oh, le bol. Le bodyball. Le bodyball. Bodyball. Je te tuer, ton joueur. Là, ton plus de. Ton plus de. Ton 4 de force, je te tuer. Je te le dis. Voilà, je te préviens. C'est tout. Ces joueurs exotiques ont débuté assez récemment dans Blood Bowl, Jim. Eh oui, Bob. Je suis médusé chaque fois qu'elles rentrent sur le terrain. Ah oui, Jim. Ces Amazones de lutte. Blocage, blocage. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est très très bon, du coup, ça. Bon. Sinon. Sinon. Je vais essayer de la tuer. D'accord. Je vais me faire foutre. Ah bah oui, non, du coup, c'est bon. Attends. Du coup, toi, il faudrait que je te mette là. Non. Attends. Ici. Voilà. Je vais te mettre ici, toi.
Voilà. Toi, je vais te tuer pareil. Toi, je vais essayer de te tuer. Mais lol. Oui, tu suis. On a faute. Et là, tu te barres avec la balle, du coup. Tu te barres. Voilà. C'est fait, c'est bon. Ah bah si, 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 je pars, si. C'est ta faute. Oh mais... Pourquoi j'ai donné là? Ah oui, parce que j'ai plus en force. Ah bon? Je suis con. On plante un bob de bière dans un entrepôt et on lâche tous les joueurs de l'équipe. Le premier à trouver la chopine est le premier coureur. Voilà. Vous êtes un dé, allez, allez. Ok, toi, tu dégages. Fuck. C'est pas grave. Toi, tu dégages aussi. Ah, fuck. D'accord. Ouh, la vache. Bah, ce sera un 0-0, hein, comme d'hab. La prochaine fois, ce sera un tout petit peu mieux. Ça peut changer, je pense, tous les matchs. La prochaine fois, je joue contre des elfes noirs. Donc, des elfes... des elfes, donc 4 d'agilité, 3 de force, tout ça. Mais j'aurai une arme avec moi qui sera un petit peu mieux. Vous verrez. Vous sera un tout petit peu mieux. Oui, oui, oui. De toute façon, je vous ai montré, c'est le... C'est le tractopelle, le tractotueur. Ah, donc, voilà. Tu peux essayer de tuer mes joueurs, hein. Vas-y, essaye. Voilà. Oh mon nom, il est sonné. Oh non, je ne sais pas quoi faire. Oh là là. Voilà. Donc là, il ne peut plus rien faire du tout, normalement. Si tu vois bien. Si tu vois bien, hein, c'est pas dit encore. Hein. C'est tous des UT, mais bon. C'est des nains, c'est toute résistance, ce truc. Hein. Sa résistance est merde. Voilà. Non, deux tours. Voilà. Je suis choqué. Et voilà, bah putain. J'aurais évité la défaite. Donc encore un 0-0. Encore un. C'est pas. C'est nul. Mais du coup. Du coup, je gagne 40 000. Yeah! C'est largement suffisant, putain, mon genre de match, c'est qui? Non, je pense pas que tu passes un niveau du coup. Je suis pas sûr. Et du coup, on se trouve tout à l'heure dans la. Dans l'après-match pour voir le nouveau joueur. Et là, tout de suite. Et donc, on se trouve directement après le match où, ben, du coup. Bon, j'ai aucun level up, ça au pire, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai 180 000. Du coup, on va acheter un joueur. Un petit roule mort, ça vous dit? Il va crever sa race, ce dernière équipe, je vous jure. Donc, le roule mort, pour vous expliquer, il a esquive en force. Oui, là d'abord. On va expliquer d'abord. Il a 4 en mouvement. Bon, c'est pas génial, c'est pas du tout génial. Il a 7 en force. 7 en force. Même un homme arbre à 6 de force, il peut rien contre lui. Agilité 1, donc on s'en fout, il va pas attraper la balle, de toute façon. Et 10 d'armure, si tu veux le taper, il faut y aller dur, voilà. Donc il a esquive en force, donc du coup, qui lui permet d'esquiver normalement une fois avec la force. Donc il esquive une fois, c'est sûr. Joueur vicieux, joueur de compétence, toi, j'étais plus sain, l'armure, je sais pas ce qui se passe avec joueur vicieux. En gros, ça fait un plus 1, c'est quand il tape un joueur au sol. Juggernaut, quand il fait un blitz, le truc... les deux joueurs à terre, ils sont pas à terre. Merci, madame ça. Châtel, ça permet de taper plus fort, évidemment. Manchot, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attraper la balle. On s'en fout, au pire. Arme secrète, ça veut dire que... si, par exemple, j'ai en début de match... que le joueur adverse va attaque et qu'il est dans mon équipe de base,
et qui attaque et qui marque la turn journée. À la prochaine relance, le roulement n'est plus là. C'est-à-dire il est évacué du match et il, enfin il est carton rouge quoi. Parce que arme secrète, vous allez voir l'arme secrète, elle est celle super secrète. Stabilité, ça permet de ben de pas être repoussé quand il y a quand il s'est repoussé en gros, voilà. Et solitaire, ben en fait il solitaire quoi, il bouffe une relance quoi. Donc le roulement, vous allez voir, il y a une arme secrète tellement secrète. Vous allez voir. Arme secrète. Ça, c'est de l'arme secrète. Voilà, ça, c'est un roule mort. Juste pour vous dire, voilà, ça, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il va leur piner leur face au prochain. Un truc de dingue. Bon, par contre, on va le renommer comment? On va le renommer... J'ai pas idée de nom de dingue, tiens. Oh, si. Le passe-partout. Oui, parce qu'il passe dessus les... Il en passe dessus aux ennemis, ça, c'est sûr, ça part. Donc, ouais, j'aurai un roule mort. Ça va être comique. Ouais. Du coup, il ne reste plus que 20 000, on va acheter juste deux Pokémon Girl, parce que j'ai envie. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il y ait des Pokémon Girl, voilà. Et donc, on va se regarder, et du coup, on se retrouve. Le prochain match, ça sera contre des elfes noirs, comme je vous l'ai dit. Alors, dernier match. Ouais, c'est ça, des elfes assassins, voilà. Ouh, mais c'est qu'il a plus beaucoup de joueurs. Ouh, mais il va se rapider sa race. Ouh, mais oui. Oui. Bref. Du coup, on se retrouve la prochaine fois pour le dernier match de Legacy Intime, si ça portez-vous bien, donc, la prochaine fois. Salut. Ta-da-da-da-da-da-da. Je vais adorer le prochain match parce que je vais rouler dessus. Je vais rouler dessus. Je vais rouler dessus. Je vais le rouler dessus. Je suis pas horrible, je m'en fous. On a foutu un roulement. Yeah.